nouvelle vidéo. Je vais vous présenter mon premier Bayala qui est juste ici. Elle s'appelle Magistra. Alors c'est parti, on commence tout de suite la vidéo. Et nous revoilà ici pour vous la présenter. Alors, elle s'appelle Magistra. Elle vient d'un magasin de bouffe, pour ceux qui ne savaient pas. C'est un Pégase, parce que je ne suis pas très licorne, je suis plus Pégase. Alors voilà. Bref, elle a des paillettes sur les ailes, autant que sur la tête, que sur le bout des sabots, enfin le bout des sabots non, que la queue. C'est un Pégase, elle a une marque de beauté que vous voyez juste là, voilà, que je trouve ça trop beau, ça fait tout le charme de ce Pégase. Voilà, cette marque de beauté qui est hyper bien faite, elle date de 2015, sortie en 2016. Elle a les yeux noirs. Voilà, elle a un petit peu de nuance sur le nez, comme vous pouvez voir, elle a le nez rose et les oreilles roses. J'adore sa posture, franchement j'aimerais bien avoir un slash, un cheval slash, tout simple, hein. Je prends le premier cheval comme ça, par exemple un cheval slash qu'on peut monter sans qu'il y ait des ailes ni quoi que ce soit, qui soit comme elle tout simplement. Alors voilà, elle est incroyablement magnifique. Alors maintenant ces détails, il n'y a aucun détail qui me gêne chez elle. Elle a des nuances incroyables au niveau... Alors, je me pousse un peu pour vous faire passer la lumière. Vous voyez, elle a des nuances incroyables au niveau des ailes. Ça part du bleu ou gris, je ne sais pas trop, du plus foncé au plus clair. Avec les petits détails de plumes, qui est juste trop bien fait. Voilà. J'adore ces petites balsames, si on peut appeler ça comme ça, un peu grises, un peu enfantin. Je trouve que cette jument est parfaite, je la trouve magnifique, franchement, je n'ai rien à dire, voilà tout simplement. Par contre, sur les photos, je voyais ses ailes beaucoup plus basses, et là, bah, je le trouve assez haute. Enfin voilà, je voyais ses ailes beaucoup plus basses, et là, je le trouve vraiment assez haute. Elle s'appelle Magistra, un ami m'avait conseillé de l'appeler Rainbow Dash, pourquoi, je ne sais pas. C'était mon meilleur ami qui m'avait dit, bah t'as qu'à l'appeler Rainbow Dash, comme dans My Little Pony, le Pégase. Je me suis fait, oui, mais tout qu'on fait, non. Voilà, je pense qu'il sera pas trop fâché, hein. Je suis désolée, en tout cas, c'était fâché, mais bon, ce prénom allait pas pour cette jeune fille. Je trouvais que ça faisait plus garçon que fille, mais bon, voilà. Elle s'appelle Magistra, elle date de 2016, comme je vous l'ai dit, sortie, enfin, elle a été faite en 2015, elle date de 2016. Je n'ai pas d'âge pour cette louloute. Elle rejoindra mon étagère avec tous les autres chevaux. Alors il faut savoir que mon étagère d'autres chevaux sera ici en attendant. C'est là où elle sera. Et quand j'aurai trop de chevaux et que ben elles seront là-haut. Alors en attendant, ben, elle va rejoindre les tigres. Ben, parfois les chevaux qui me servent à rien. Alors voilà. Je voulais avoir un Pégase parce que quand on fait des slèches, en tout cas les slèches, enfin les slèches équidés, je trouve qu'on doit faire les équidés, on doit avoir au moins un Pégase dans sa collection. Presque tout le monde a un Pégase, ceux qui n'ont pas, bah ils en ont pas, hein, mais la moitié des gens ont un Pégase et franchement il fallait que j'en aille un, alors voilà. Enfin un Pégase, un Bayala, et c'est mon premier Bayala, j'en ai pas eu d'autres. Normalement je devais en avoir deux parce qu'il y en avait un qui était acheté, enfin, qui était en brocante mais il était pas beau, alors je l'ai pas pris, enfin c'était même pas un licorne, c'était rien. Faites-y remarquer sur internet que c'était un Bayala mais je l'ai pas pris. Alors pour cette louloute, je n'ai pas, je suis pas licorne, je suis plus Pégase parce que ça vole. Alors après j'ai pris des Pégases. Et normalement je vais prendre une jument de 2016 à la place d'elle, laquelle je ne sais plus. Je pourrais pas vous dire laquelle je devais prendre. Normalement une jument de 2016. Et j'ai pris, enfin j'ai demandé à ma mère entre les deux parce que je n'arrivais pas à me décider. Elle m'a dit le Bayala et pour fin. Et sur le coup je me suis dit ouais, de toute façon ça changera un peu. Alors voilà. Tout le monde, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye tout le monde!